blessé dans ma vie, car tu étais la meilleure des mamans. Dès cet accouchement, ma mère a su donner une éducation basée sur le respect, l'ordre et le travail. Cette méthode nous a été implicite dès le bas âge. À présent, nous comprenons l'impact de cette éducation donnée plus ou moins dans l'impératif. De son vivant, ma mère était l'antonyme des problèmes avec sa vie nécessiteuse à ma main. C'est fut une mère qui a donné le meilleur d'elle-même à ses enfants, petit-fils et à son entourage. Quelle femme merveilleuse! La preuve en est que ses filles jugent de son moral dans leur foyer respectif. Émérantienne Ntama fut une femme forte, travailleuse, oui, entreprenante. Les expressions sont si faibles pour la qualifier. Une maladie, mais quelle maladie inconnue a pu nous arracher cet être cher qui avait encore beaucoup de choses à nous montrer. Ton absence, maman, ne nous fera que larmoyer. Mais qu'à cela ne tienne, nous aimerions que tu saches que tu demeures éternellement dans nos cœurs. Maman, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Amor, I don't believe it.
me nyuya.